Coucou les petits loups! On se retrouve comme chaque jour pour réviser des flashcards santé accompagnées de l'intelligence artificielle afin qu'elle nous donne son avis d'un point de vue objectif, mnémotechnique et bien sûr amusante. Comme première flashcard, nous aborderons une flashcard du deck santé qui concernera les molécules de porphyrine. Et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons l'indice OMA. Ça vous va? Alors c'est parti! C'est quoi une molécule de porphyrine? Une molécule de porphyrine. Franchement, je sais pas. J'ai un trou de mémoire là. Molécule de porphyrine. J'ai comme un souvenir que lorsqu'on l'a abordé pour la première fois ensemble, l'étymologie faisait un rappel sur le mot pourpre, mais je me rappelle que de ça. Pourquoi pourpre? Déjà, je suis même pas sûr que ça concerne cette molécule de porphyrine, et si c'est le cas, rien ne certifie que la couleur pourpre soit toujours actuellement en lien avec le sujet, la molécule de porphyrine. Ouais, ça sert à rien que je cherche encore, j'ai vraiment aucune information mémorisée sur cette molécule. Donc passons sans plus attendre à la vérif, c'est parti. C'est quoi une molécule de porphyrine? Une molécule de porphyrine est une structure chimique en forme d'anneau, composée de quatre unités appelées pyroles, qui sont liées ensemble pour former un cycle plus grand. Elle joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions biologiques, notamment en formant le cœur de l'hémoglobine, la molécule qui transporte l'oxygène dans le sang, et de la chlorophylle, qui permet la photosynthèse dans les plantes. Trop stylé ça. Détails sur la porphyrine. 1. Structure de la porphyrine. Les porphyrines sont des molécules de forme circulaire, composées de quatre anneaux pyroles. Chacun formé de 5 atomes, dont 4 de carbone et 1 d'azote. Ces pyroles sont reliées par des ponts de méthène, CH, formant ainsi une structure en forme d'anneau plus large, appelé macrocycle. Au centre de cet anneau, les porphyrines peuvent se lier à un atome de métal. Par exemple, dans l'hémoglobine, cet atome est le fer. Et dans la chlorophylle, c'est le magnésium, Mg. Énorme. 2. Rôle biologique. Les porphyrines jouent un rôle crucial dans diverses fonctions biologiques essentielles. Transport de l'oxygène. Dans l'hémoglobine des globules rouges, la porphyrine, sous forme d'une molécule appelée M, se lie à un atome de fer, permettant la fixation et le transport de l'oxygène des poumons vers les tissus. Photosynthèse. Dans la chlorophylle, la porphyrine se lie à un atome de magnésium, ce qui permet aux plantes de capturer l'énergie de la lumière du soleil pour produire de l'énergie chimique sous forme de glucose. Métabolisme cellulaire. D'autres porphyrines, comme celles présentes dans les enzymes de la chaîne respiratoire mitochondriale, cytochrome, participent à la production d'énergie cellulaire, ATP, par le transfert d'électrons. 3. Importance dans la santé et la maladie. Maladies liées aux porphyrines. Un défaut dans la synthèse ou le métabolisme des porphyrines peut entraîner des maladies appelées porphyries, qui se caractérisent souvent par une accumulation de précurseurs toxiques des porphyrines. Ces maladies peuvent provoquer des symptômes variés, comme des douleurs abdominales, une sensibilité à la lumière, photosensibilité, des problèmes neurologiques et cutanés. Utilisation médicale. Les porphyrines sont également utilisées en médecine, notamment en thérapie photodynamique, où des porphyrines sont administrées pour cibler des cellules cancéreuses, puis activées par une source de lumière pour détruire ces cellules. Wow. 4. On peut imaginer la porphyrine comme une sorte de clé multifonctionnelle qui, selon l'atome de métal au centre, comme le fer ou le magnésium, peut ouvrir différentes serrures biologiques, fonctions comme le transport de l'oxygène ou la capture de la lumière. Analogie du médaillon magique. Pense à la porphyrine comme à un médaillon magique qui peut prendre différentes formes selon la gemme qu'on place au centre. Si la gemme est un atome de fer, le médaillon devient une clé pour transporter l'oxygène, comme l'hémoglobine. Si c'est un atome de magnésium, il devient une clé pour capter la lumière, comme la chlorophylle. Oh, c'est trop bien expliqué. En nutrition. Les aliments riches en fer, comme la viande rouge ou les légumineuses, aident à former l'hème de l'hémoglobine, une porphyrine essentielle pour le transport de l'oxygène. Peux-tu me donner un exemple de porphyrine et expliquer quel est son rôle dans le corps ou dans une plante? Oui, alors je ne connais pas du tout le sujet, mais je vais citer un exemple que tu as déjà abordé.
sinon je pourrais pas répondre. Donc j'ai choisi la photosynthèse plutôt que le transport d'oxygène. Alors dans la photosynthèse, on a une molécule de porphyrine qui se lie à un atome de magnésium, ce qui permet donc à la plante de capter la lumière et donc de produire de l'énergie. En fin de compte, il n'y a pas que chez l'être humain que le magnésium est si crucial. Feedback sur ta réponse de compréhension. Très bien, tu as bien compris l'un des rôles essentiels des porphyrines. 1. Exemple de porphyrine dans la photosynthèse. Oui, exactement. Dans la chlorophylle, le pigment vert des plantes, la porphyrine est liée à un atome de magnésium. Cette structure unique permet à la chlorophylle de capturer l'énergie de la lumière du soleil, qui est ensuite utilisée pour produire de l'énergie sous forme de glucose. Tu as tout à fait raison. Le magnésium est crucial non seulement pour les plantes, mais aussi pour de nombreuses fonctions biologiques chez les humains. 2. Complément d'information. La chlorophylle est un excellent exemple de porphyrine, jouant un rôle clé dans un processus biologique fondamental. De plus, tu as bien remarqué que les éléments tels que le magnésium sont importants à la fois dans les processus végétaux et humains, ce qui montre l'interconnexion fascinante entre les différentes formes de vie. Conclusion. Les porphyrines sont des molécules polyvalentes et essentielles dans de nombreux systèmes biologiques, et leurs fonctions varient en fonction de l'atome central auquel elles sont associées. Chez les plantes, elles aident à capter l'énergie lumineuse, tandis que chez les humains, elles participent au transport de l'oxygène et à d'autres processus vitaux. C'est quoi l'indice OMA? Ok, voilà la flashcard inédite. Là, c'est pareil, je connais pas grand-chose. Je sais que dans tout ce qui est biologie, donc analyse biologique, cet indice OMA est très fréquent. Je crois que c'est pour évaluer les risques de cancer et que c'est une analyse sanguine. Je me demande même si c'est pas un indice unique pour les femmes, mais ça, je suis pas sûr. Ouais. J'ai entendu ça en cours et je me suis dit mince, je connais même pas ça. Donc, on va en faire une flashcard, mais voilà. C'est pareil, on va passer tout de suite à la vérif parce que je connais pas du tout le sujet. C'est parti. C'est quoi l'indice OMA? L'indice OMA est en fait le Ovarian Malignancy Index, OMA, un score utilisé en médecine pour évaluer le risque qu'une masse ovarienne soit maligne, cancéreuse. Cet indice combine plusieurs paramètres cliniques, biologiques et d'imagerie pour aider à identifier les patientes à risque de cancer de l'ovaire. Ah. Détails sur l'indice OMA. 1. Définition et utilité. L'indice OMA est utilisé principalement en gynécologie et en oncologie pour évaluer le risque de cancer ovarien chez une patiente présentant une masse ovarienne suspecte. Il aide les médecins à décider si une patiente doit être référée à un spécialiste en gynécologie-oncologie. 2. Comment l'indice OMA est-il calculé? L'indice OMA est une combinaison de différents critères tels que résultat de l'imagerie. Par exemple, l'échographie transvaginale est souvent utilisée pour observer la taille et les caractéristiques de la masse. Marqueurs tumoraux sanguins, comme le CA125, un marqueur qui peut être élevé en cas de cancer de l'ovaire. Facteurs cliniques, tels que l'âge de la patiente, les antécédents familiaux de cancer et d'autres symptômes cliniques. Ces facteurs sont pondérés dans une formule spécifique pour obtenir un score qui indique le risque de malignité. 3. On peut voir l'indice OMA comme une clé multifonction qui utilise plusieurs dents, paramètres comme l'imagerie, les marqueurs sanguins et les symptômes cliniques, pour s'assurer qu'elle s'adapte parfaitement à la serrure de la décision médicale. Déterminer si la masse est bénigne ou maligne et guider le traitement approprié. 4. Importance de l'indice OMA en pratique clinique. L'indice OMA est crucial pour réduire les risques de diagnostic erroné et pour s'assurer que les patientes reçoivent un traitement optimal rapidement. Il aide aussi à éviter des chirurgies inutiles pour des masses bénignes. En consultation médicale, utiliser l'indice OMA pour évaluer le risque de cancer ovarien peut aider à orienter la patiente vers les tests et traitements les plus appropriés, améliorant ainsi les résultats de santé. Exemple concret. Si une patiente présente une masse ovarienne suspecte et obtient un score OMA élevé, elle sera orientée rapidement vers un spécialiste pour une intervention appropriée. Peux-tu m'expliquer pourquoi l'indice OMA est utile pour les médecins lorsqu'ils suspectent une masse ovarienne? Parce que cet indice
OMA permet de rentrer plus en profondeur sur la santé ovarienne d'une patiente. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais... D'ailleurs, est-ce que cet indice est modulable par le professionnel de santé? Ou bien, est-ce que ça inclut uniquement marqueurs sanguins, symptômes cliniques et imagerie? Tu as bien saisi l'idée que l'indice OMA permet d'évaluer plus en profondeur la santé ovarienne d'une patiente, notamment lorsqu'il y a suspicion d'une masse ovarienne. Pour répondre à ta question complémentaire, l'indice OMA n'est généralement pas modulable par le professionnel de santé au sens où il s'appuie sur des critères standardisés et quantifiables, comme les marqueurs sanguins, les résultats d'imagerie et certains facteurs cliniques, pour obtenir un score précis. Ces critères sont établis pour garantir une évaluation objective et cohérente du risque de malignité. Cependant, le médecin peut interpréter le score OMA en fonction de chaque cas particulier et prendre en compte d'autres facteurs cliniques ou contextuels non inclus directement dans l'indice, comme l'état de santé général de la patiente, ses antécédents médicaux précis ou d'autres résultats de tests pour affiner son diagnostic et ses recommandations. Conclusion, l'indice OMA est utile car il fournit une évaluation standardisée et objective du risque de malignité d'une masse ovarienne, aidant ainsi les médecins à décider du meilleur plan d'action pour chaque patiente. Cependant, l'interprétation de ce score peut être modulée en fonction du contexte clinique individuel de chaque patiente. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao!